On sent une vraie histoire dans ce club-là. C'est un club qui est familial, qui sait d'où il vient et qui, malgré tout, reste ambitieux. C'est une ville qui aime le sport, attachée à l'Aurore en général. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la ville de Vitré. Les gens en sont fiers. Je m'appelle Fabien Calvez, j'ai 39 ans, je suis né à Évreux, en Normandie. Je suis l'entraîneur de l'AVBB depuis 2 ans, c'est ma deuxième saison. AVBB, donc c'est l'Or de Vitré, basket Bretagne. Je suis entraîneur de l'équipe nationale 1. Avant ça, j'ai été joueur de basket pendant 11 ans. J'ai arrêté ma carrière en 2015, donc j'ai commencé ma carrière de coach. Dans un premier temps, assistant en ligue féminine à Charleville-Mézières, chez les filles. Et ensuite, j'ai basculé vers les garçons. J'ai eu 3 ans d'expérience à Charleville-Mézières, mais cette fois-ci dans le club de l'Étoile. Et voilà, j'ai eu l'opportunité d'arriver à Vitré la saison dernière pour prendre ce projet de l'Or de Vitré. Voilà, c'est ma deuxième saison. C'est une association qui comporte plusieurs secteurs. On a l'athlétisme, on a la gym, on a la pétanque, on a aussi le rugby, le tennis de table. Et enfin, le tir sportif et le centre aéré. Donc voilà, le basket vient compléter tous ces domaines. C'est une association qui a été créée en 1908 et le secteur du basket a été créé, lui, en 1930. Donc voilà, le club de basket comporte un peu plus de 450 licenciés, beaucoup d'équipes, beaucoup d'entraîneurs. C'est une association qui fait vraiment vivre le territoire avec beaucoup de jeunes et de moins jeunes, beaucoup de secteurs qui sont différents. Et voilà, ça fait vivre la ville. Il y a l'équipe première qui évolue en National 1, la 3e division nationale, et l'équipe réserve, l'équipe 2, évolue en National 3, donc c'est 2 niveaux en dessous. C'est une équipe qui est jeune, qui nous sert aussi d'appui sur l'équipe première par rapport aux entraînements. Il y a pas mal de joueurs de cette équipe-là qui participent à nos entraînements et qui nous permettent de compléter l'effectif la semaine afin de préparer les matchs. Let's go, Josh ! Bah, c'est un club qui grandit année après année, qui est ambitieuse mais qui reste humble à la hauteur de ses moyens. On arrive à rivaliser avec des gros budgets de la division en ayant un budget moyen de la division. Mais voilà, c'est un club qui est familial, qui sait d'où il vient et qui malgré tout reste ambitieux. On arrive à faire des saisons sportives qui sont exceptionnelles comme la saison dernière. On a aussi la chance d'avoir une salle. Bah voilà, c'est un petit chaudron. Hein. C'est une force de jouer ici et on espère sur la deuxième partie de saison aussi pouvoir s'appuyer là-dessus, sur un public qui est près du terrain, sur des gens qui sont fidèles depuis beaucoup d'années. Enfin, ils sont vraiment investis. Ça se sent en fait, il y a tellement de tristesse quand on perd un match et tellement de joie quand on le gagne. Ça leur tient à cœur quoi, les résultats de l'équipe et l'amour qu'ils ont pour ce club-là. Alors c'est une salle, on peut accueillir jusqu'à 1499 spectateurs. C'est précis, mais voilà, il y a une nouvelle tribune qui a été créée il y a peu. C'est une salle qui est conviviale, puisqu'on la partage aussi avec le secteur amateur, donc ça nous permet aussi d'avoir des échanges avec les jeunes. Il y a la salle B aussi à côté, où il y a des équipes qui s'entraînent pareil au quotidien, des équipes de jeunes. Et voilà, c'est aussi une force pour ce club-là, c'est d'avoir des joueurs professionnels qui se mélangent aussi au secteur amateur. Il y a vraiment cet échange entre tout le monde. Et voilà, moi j'ai déjà connu des clubs en tant que joueur, ou même entraîneur, où il y avait vraiment l'équipe première et il y avait le reste du club. Et là, le fait d'être avec eux dans la salle, avec tous ces jeunes-là, avec échanger aussi avec d'autres entraîneurs, ça pousse tout le monde vers le haut. Enfin voilà, les jeunes aussi, ça leur donne envie de venir voir aussi les plus grands matchs. Et nous, on Vitré, on n'est pas une grosse ville, mais par contre, le club, la ville, a d'autres atouts et on arrive justement à performer en mettant en avant d'autres qualités. Alors, il y a 10 joueurs professionnels et l'équipe est complétée par 3 jeunes joueurs qui sont de l'équipe réserve, National 3. Alors, le plus important dans un club comme Vitré, c'est d'avoir des gens qui correspondent humainement aux valeurs du club. Où le projet collectif passe avant le projet individuel. Je pense que c'est ce qui fait la force aussi d'un club comme Vitré, c'est d'avoir une vraie force collective. On n'a pas le plus gros budget, donc il faut faire différemment. Il faut avoir des gens qui ont des qualités forcément, mais avant tout des qualités humaines et des qualités qui vont pousser le collectif vers le haut. On sent une vraie histoire en fait dans ce club-là. On sent des gens qui sont voilà, imprégnés par l'histoire de l'Aurore de Vitré. Et on sent vraiment cet échange. Bah, c'est des valeurs de partage, des valeurs familiales. On a pas mal de joueurs qui ont aussi des enfants, qui sont pères de famille, et être capable de partager aussi avec l'environnement, pas s'isoler, être ouvert aux autres, ça c'est quelque chose qui est aussi important.
Moi, quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai sauté dessus parce que c'est un club qui partage les mêmes valeurs que moi. Une ville aussi, c'est parce que c'est important, la ville dans laquelle tu es, laquelle tu viens avec ta famille. Toute ma famille s'y plaît. C'est une ville qui nous correspond vraiment, pas trop grande, pas trop petite, juste ce qu'il faut. Voilà, une ville où c'est agréable de vivre au quotidien et puis un club qui me correspond vraiment et ça a tout de suite bien matché. Alors, je m'appelle Vincent Fandelet, j'ai 31 ans. Je suis le capitaine de l'équipe et ça va être ma troisième saison ici au club. Très content d'être ici. J'avais signé pour 2 ans et j'ai réitéré mon bail avec le club. Le club m'a fait confiance, je fais confiance au club. Je me sens bien ici, ma famille aussi, que ce soit sur et en dehors du terrain. Donc voilà, je suis très bien ici. Moi, je suis un capitaine par l'exemple, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que je ne vais pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si moi je ne le fais pas. Si moi je ne viens pas avant l'entraînement, si je ne vais pas à la salle de muscu, si je ne me donne pas à 200%, je ne vais pas avoir la légitimité pour après dire des choses aux gars quand ils ne le font pas. Donc je pense qu'il faut être légitime quand on a ce rôle-là. Et ça passe par un engagement à 200% chaque jour. Je suis originaire de Besançon, en Franche-Comté. Donc voilà, j'ai commencé par hasard. Moi, j'ai pas ma famille qui est dans le basket, même dans le sport en général. Je suis sœur vraiment sportive de ma famille. J'ai commencé vers l'âge de 8-9 ans. J'ai fait mes classes en jeune à Besançon, jusqu'au centre de formation où là, je suis parti à Dijon. Et après, je suis parti dans le monde professionnel. C'est ma 10e saison professionnelle. J'ai commencé à Saint-Quentin, en Picardie. Après, je suis parti à Cognac. Après, en région parisienne, j'ai fait 3 ans à Rueil-Malmaison. Et après, voilà, je suis venu ici. Pour la petite anecdote, ma femme est de Saint-Quentin. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée ma première année professionnelle. Donc j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a accepté aussi de me suivre. Parce que bien sûr, nous, c'est super, on vit notre passion, mais derrière, il y a une famille qui suit, une femme qui doit aussi s'adapter professionnellement. On a quand même trouvé un équilibre ici aussi à Vitré. C'est pour ça aussi que ça fait 3 ans que je suis là. C'est pas anodin de rester 3 ans quand même dans un club. Surtout dans notre milieu où les joueurs bougent beaucoup. Et en plus, voilà, on voulait retrouver un environnement peut-être un peu plus calme, des choses plus à taille humaine que la région parisienne. Donc voilà, le projet de Vitré qui est arrivé avec un club familial mais ambitieux, qui mettait des structures en place depuis quelques années et qui grandit dans ces structures. L'engouement populaire, on le ressent à chaque match. Voilà, moi ça fait 3 ans que je suis là. Ce public qui est là, qu'on retrouve à chaque match et qui sont derrière nous, même quand ça va moins bien. On sent que voilà, ça attire du monde, que c'est une ville qui aime le sport. Je pense que c'est une ville qui est attachée à l'aurore en général. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la ville de Vitré. Les gens en sont fiers. C'est un club qui vit aussi beaucoup par ses bénévoles. Sans eux, la salle ne serait pas nettoyée. C'est un club qui est très familial et je pense que c'est à l'image de la ville de Vitré. Franchement, je trouve que c'est vraiment une ville où il fait vraiment bon vivre. Voilà, ça reste une ville à taille humaine, mais avec vraiment tout l'essentiel. Au niveau commerce, c'est une ville dynamique quand même. J'habite Vitré, quartier de Beauvais. Donc aussi, on est dans un super quartier. Tu as tout ce qu'il faut. Non, franchement, c'est une ville où il fait vraiment bon vivre. Et Vitré, c'est bien aussi pour ma femme. C'est quand même un territoire où il y a de l'emploi. Une petite ville, mais une petite ville dynamique qui se développe et qui n'a rien à envier à certaines grosses villes.